2. Salut à tous, nouvelle vidéo en tenue de sport. J'ai décidé juste après d'aller marcher avec Eric. Je me sens un peu, comment dire, un peu tendue. Et tout part du ventre. Eric m'a dit, écoute, on va marcher après pour évacuer tout ce stress. Pendant ces 25 jours, ce n'est pas un trou, c'est pour mettre tes petits doigts. En cliquant sur ma vidéo, vous ne saurez pas à quoi vous attendre. Voyez ça comme un calendrier de l'Avent. Et sans transition, mais un peu quand même, je vous montre le calendrier de l'Avent que j'ai trouvé hier, comme je vous disais. Alors, je l'ai trouvé chez Nocibé. C'est un calendrier luxe Lancôme qui... Attendez, j'ai encore l'étiquette qui coûtait 100 euros, 99 euros. Et donc hier avec le Black Friday, il y a eu 30%, enfin c'est passé à 60, 69 euros. Et comme je vous disais, bon en plus j'avais bien vendu et tout avec Vinted, donc j'ai pu me le prendre et je suis très contente. Donc visiblement, je n'ai pas voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Je voulais juste savoir si c'était pas juste des parfums de parfum, parce que là ça m'aurait pas plu. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 2. Hier, bah, j'ai été le chercher, donc j'ai pas ouvert. On va donc ouvrir deux cases aujourd'hui de ce magnifique calendrier. Il est très très beau. Ça, vous savez quoi? Je vais tout de suite faire ça. Je ne veux pas voir. Oh, je vais en ouvrir deux. Ah bah merde. Comme ceci. Petit. Là, je suis un peu déçue, les gars. Pas déconner. Alors, pareil, ils ne savaient pas trop, parce que quand ils sont scannés, il y a marqué calendrier luxe Lancôme, mais c'est aussi L'Oréal. Et là, je vois que c'est du Biotherme, donc j'en sais rien. Enfin, on va dire que c'est pas un échantillon. Si, c'est un échantillon, mais un petit peu plus gros qu'un échantillon. Ça a l'air d'être une texture un petit peu comme un sérum. Soins régénérants pour tout type de peau. Voilà, je n'en sais pas plus. Pour donner à la peau le pouvoir de se renouveler, ce soin fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu le mets. Jour après jour, appliquer quotidiennement en première étape. Voilà, appliquer quotidiennement en première étape de votre rituel soin. C'est bien ce que je pensais. On dirait que... c'est comme un sérum. Donc, ça va, je vais pouvoir l'utiliser quand même un petit peu. Case numéro 2. Il va falloir envoyer un peu plus quand même. Hein. Pas très très grand. What? Ah, il s'agit d'un mascara Lancôme et c'est le noir hypnotique. Bon, ça tombe pour le coup. Très très bien pour moi, je commençais, c'était un peu la dèche là, au niveau de mascara, je n'en avais plus. Il est comme ceci, alors une petite brosse toute simplousette. Quand il y aura par exemple des rouges à lèvres, ce genre de choses, enfin je l'espère, je dis ça, mais eh bien j'essaierai avec vous. Voilà pour les deux premiers produits du jour. Ensuite, concernant le calendrier de l'Avent de ma maman, donc vous aviez vu, hein, c'était le numéro 1, je lui ai pris des gratte-gratte, deux tickets à gratter. Je mets la photo qu'elle m'a envoyée ce matin. Et elle a gagné 5 euros. Voilà, pour en reprendre si elle a envie. J'avoue que... Bon, on va faire un petit peu de parlotte, hein, je vous avais dit. Moi, j'ai déjà pas mal de fois gagné genre des 100 euros, des trucs comme ça. Ça fait super longtemps que j'en ai pas repris. Mais est-ce que je vous ai déjà raconté? Je crois pas que je vous ai raconté cet épisode de ma vie. C'était quand même un épisode assez marquant dans l'enchaînement des choses. J'étais avec mon ancien compagnon. Donc ce n'était pas Eric. On était dans le sud-ouest, à Biarritz même, plus précisément. Et c'était mon anniversaire. Non, je dis des bêtises. Enfin, on était dans le sud-ouest, pas Biarritz. C'était le lendemain quand c'était à Biarritz. On était à Osgore, au Cap-Breton. Voilà. Et c'était le 17 août. Le 17 août... Bah, vu qu'il y a des casinos là-bas, on est sortis, c'était mon anniversaire, je m'étais habillée genre belle robe et tout. Et on arrive dans le casino et là, 5 minutes après mon entrée, je m'installe sur une machine. Je mets 2 pièces, bam, rien. Oui, parce qu'à l'époque, bon, il y en a encore, il y avait les bandits manchots, rien. 3 pièces. Jackpot.
en 5 minutes de temps. Donc tout le monde te regarde. Alors quand je dis jackpot, hein, vous imaginez pas des millions et tout et tout. Je crois que c'était 1500 euros. Quand même, 1500 euros quoi. Bam, en un coup. Donc c'était le maximum de la machine hein, qu'elle donnait. Les gens commençaient à parler, j'entendais derrière. Oui, elle est payée par le casino, je suis sûre que c'est faux, c'est pas possible, elle vient d'arriver à la gagner, c'est pour nous inciter, nous aussi et tout. Oh, c'était assez drôle. Et du coup, avec mon compagnon, on est parti, on est non, c'est pas possible, on s'est barré et tout, avec tous nos billets, on est rentré à l'hôtel. Mais c'est pas fini! Le lendemain, on se dit, bon, on allait à Biarritz, qui est pas bien loin de là où on était, et on voit un casino. On dit, bon, allez, on va retenter tant qu'à faire. Et là, je m'installe, pareil, bon, ça va durer un petit peu plus longtemps, 500 euros. Je me suis fait 2000 euros en 2 jours, en fait. Et j'ai dit, c'est quoi ce délire? Mais c'est pas terminé. Ah bah non, je sors du casino, coup de téléphone, TF1. Qui m'appelle, et ben j'avais été prise et qu'il fallait que je rentre très vite sur Paris pour passer le reste des auditions et tout, mais ça s'est enchaîné. Je gagne, et Starac. Des fois, il se passe des trucs, et après ça, j'ai jamais trop rejoué non plus, puis de toute façon, là où je suis, il n'y en a pas, mais pour vous dire, parfois c'est du délire. J'ai fait une aparté, je ne vous raconte pas. Je vous avais prévenu, il y a de tout, et là, vu qu'après je vous ai dit on risque d'aller marcher, je suis pas certaine de vous produire un vlog de ma journée qui est d'ailleurs encore pas mal entamée. Il est 14h38 au moment même où je vous parle. D'autant plus qu'hier soir j'ai déconné, mais grave. Enfin j'ai déconné. Eric, je regardais la télé tranquillou et il voulait une glace. Donc moi j'étais dans mon canapé et c'est vrai que j'ai du mal à résister. Et 22h passées même. Truc à pas faire, surtout moi, dans mon état. Il est parti au McDo, il nous a ramené deux grosses glaces, genre les parfaits, tout le truc énorme, que j'ai mangé à 22h30. Mais c'est pas terminé, il m'avait ramené un muffin après. En même temps, genre, oh, si t'aimes pas, et tout le muffin. Donc je me suis pris de la glace. Juste avant, j'avais mangé des céréales, j'avais mangé, et j'ai mangé du gâteau. Donc ce matin, je l'ai payé, c'est pour ça qu'on va marcher, parce que je crois que... Ouais, donc je le paye aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi ce deuxième vlog, cette vidéo, va être très très courte. Mais, comme je vous disais, c'était un petit moment passé ensemble à discuter. Voilà, c'est tout. Demain, ce sera mieux. On verra, on ouvrira la case numéro 3 ensemble. Et puis, je vous donnerai aussi des nouvelles de l'ouverture du calendrier de ma maman. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se dit à demain. Dites-moi en commentaire si... ce format, que ce soit très aléatoire, qui est un peu de tout, vous convient, vous fait plaisir, et même si ça ne vous convient pas, de toute façon, c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, je vous embrasse très fort. À demain. Salut.